Good morgen, Aleiden, les tous rejoués, le Lunishmat, Avram, Chaynor, Ben Fortuna, Mazal, Dov, Ben Yehudit, Micha, Machlouf, Ben Masouda, Nachman, Yosef, Ben Nachum, Yaakov, Nisimen, Chana, si vous souhaitez vous dédier nos prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Serhat Meila, Perek Dalet, Mishnah, Gimel. Kol Apigulin, Mr. Fim, Zeimze, Kol Anotarin, Mr. Fim, Zeimze, Kol Anevelot, Mr. Fod, Zoimzo, Kol Ashratsim, Mr. Fim, Zeimze, Dama Sheretz, Uv Saro, Mr. Fim, כלל אמר רבי יהושע, כל שטומאתו ושיעורו שווין, מצטרפים זה עם זה, טומאתו ולא שיעורו, שיעורו ולא טומאתו, לא טומאתו ולא שיעורו, אין מצטרפים זה עם זה. Pour rappel, dans notre chapitre, on parle des différents interdits de la Torah, où la Torah fixait des mesures pour transgresser, des mesures, des quantités requises pour transgresser pleinement l'interdit. Toutes sortes de mesures pour... dans des interdits à la consommation, des interdits à tirer profit, des lois de pureté et d'impureté, où la Torah m'a dit, tu sais, tu seras impur que si tu vas toucher telle quantité, tu vas transgresser un interdit que si tu vas manger telle quantité. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle des shiurim, des quantités. Et il y a maintenant des interdits qui englobent, sous un même pasouk, ils englobent plusieurs espèces. Et la question, elle est de savoir, est-ce que des espèces distinctes, différentes, qui sont incluses dans un même interdit, s'associent pour transgresser le même interdit. C'est assez général, on a vu déjà quelques cas depuis le début du chapitre, on était pour le moment plus concentré dans les lois de Kodshim, là, dans notre Mishnah, on va commencer à s'ouvrir à différents sujets de pureté, d'impureté, et de même de consommation, comme ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, deux cas de figure de Kodshim, Kol Apigulin, Mr. Fim Zeimze, c'est une notion qu'on a déjà vue dans la Mishnah précédente, je réexplique très rapidement, un pigoul. C'est lorsque j'ai une intention de consommer le korban au-delà des limites de temps permises. Un shlamim, je le consomme en 2 jours, je l'ai gorgé avec intention de le manger pendant 3 jours. Même jusqu'au 3e jour. Un khatat, je suis limité pour 1 jour, 1 nuit, j'ai eu l'intention de le manger pendant 2 jours. Alors, maintenant j'ai rendu le khatat et le shlamim, ils sont tous les deux pigoules, interdits de la consommation depuis tout de suite. Si, toutefois, maintenant, pour transgresser l'interdit même beshogeg, il faut manger au moins un kazaït. Si j'ai mangé un demi-zaït de l'un, un demi-zaït de l'autre, je m'enseigne, ben, il s'associe ensemble, parce que tout est inclus dans le même interdit de pigoul. Même si un c'est un khatat, et t'étais limité en 1 jour et 1 nuit, et l'autre c'est un shlamim, et c'est 2 jours, et c'est des kodashim kalim. Finalement, tout est des kodashim qui ont pris le même interdit de pigoul, ça s'associe. Même, ça inclut même aussi, si c'est un morceau de volaille de pigoul avec un morceau de viande de pigoul, et même aussi une oblation de blé, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente aussi. Ça s'associe pour transgresser le même interdit de pigoul. Kol notarin Mr. Fim Zeimze, même principe avec le notar. Notar, c'est le reste d'un korban, c'est-à-dire le korban, je l'ai bien fait, comme les règles de l'art l'imposent, avec les bonnes intentions. Le problème, c'est que je n'ai pas fini de le manger. Le khatat, j'avais 1 jour et 1 nuit, je l'ai dépassé, je suis arrivé au 2e jour. Le shlamim, j'avais 2 jours et 1 nuit, je suis arrivé jusqu'au 3e jour. Maintenant, j'ai le khatat et le shlamim qui se retrouvent ensemble, tous les deux. Ah. Ont passé leur date de péremption de la Torah, et je mange un demi-zaï de l'un, un demi-zaï de l'autre, et bien ils s'associent pour me rendre passible du korban, d'avoir mangé du notar. Ça pour le moment c'est la notion qu'on connaissait, maintenant on va découvrir un nouveau sujet, qui en apparence est simple, mais en réalité est bien plus subtil. D'abord on va s'occuper de traduire, simplement, parce que ce qu'il a écrit c'est pas faux, c'est juste que c'est pas exact. Il faut faire attention à ne pas trop extrapoler. Kol anevelot mitstarfot zo imzo. Littéralement, tous les cadavres s'associent ensemble. Je commence, Marc, là, déjà, je l'explique pour celui-là. Les cadavres s'associent ensemble. Soit, apparemment, si je mange... Donc, il y a un interdit que... Kol nevela l'otochelou, un interdit de consommer une nevela. Donc, si j'ai une nevela d'une vache, un cadavre, une vache qui est morte sans qu'on lui ait fait la shrita, et un mouton qui est mort sans qu'on lui ait fait la shrita, le mouton de la vache s'associe. Bon, ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais la Mishnah, elle inclut en fait autre chose, même une espèce impure. Et alors là, attention, il ne faut pas se tromper, parce que si j'inclus une espèce impure, ça va être faux par rapport aux lois de consommation, ça va être vrai par rapport aux lois d'impureté. Je m'explique. J'ai un chien qui est mort et un morceau de vache, et une vache qui est morte. Il y a maintenant, je prends un demi-zaït de l'un, un demi-zaït de l'autre. La Mishnah m'enseigne, sache que ces deux morceaux de nevela s'associent. Mais ils s'associent pourquoi? Que pour transmettre une impureté. Mais ils ne s'associent pas pour transgresser l'interdit de manger une nevela. Et je m'explique. Il y a, face à une nevela, on va prendre une nevela d'une vache tout d'abord,
un zaït, un kazaït, j'en interdis de le manger, c'est vrai, mais il y a même aussi une impureté très grave, une impureté assez grave, qui s'appelle Toumat Massa. J'ai même pas le droit ni de le toucher, ni même de le déplacer, même si je ne le touche pas directement, le simple fait de le déplacer, ça me rend impur. Idem s'il y a un cadavre de chien, de n'importe quel animal, un animal impur, un lapin, ce que vous voulez. Il véhicule aussi une impureté, son cadavre véhicule une impureté, s'il y a un kazaït. Un kazaït, ça véhicule l'impureté. Maintenant, si je vais manger le cadavre de lapin, irsa, mais c'est pas grave, on en vend, il y en a qui mangent de la viande pas cachère, c'est des cadavres, d'un point de vue de la Torah. Si ça peut être égorgé, ça s'appelle un cadavre. Eh bien, on transgresse, sachez qu'on ne transgressera pas l'interdit de manger une nevela. On transgresse juste l'interdit de manger l'espèce interdite qui a été explicitée dans la Torah, que la Torah nous a dit par exemple, Tachazir, la Torah nous a dit, tu ne mangeras pas que ce qui est ma frise par ça, mais chez ça, qui est le sabot fondu et qui rumine, ma la guerra. Et la Torah elle a dit, elle a explicité, et ce qui n'est pas comme ça, tu ne le mangeras pas. Donc, il y a un interdit de manger une espèce du lapin, c'est même explicite, Veta Shavan, Veta Nevet, Veta Gamal, Veta Chazir, c'est les quatre explicites dans la Torah. Donc, il y a un interdit de manger, cet interdit, étant donné que cette viande-là, elle est de toute façon interdite, alors on a une règle qui va me dire, Enisur, Khalalisur, lorsque ça va devenir un cadavre, je n'aurai pas non plus d'interdit supplémentaire à le consommer. Je transgresserai que l'interdit de manger du chazir, du chafan, du gamal. D'accord? De ce fait, un demi-zaït de chameau ne va pas s'associer avec un demi-zaït de vache pour transgresser l'interdit. Mais ils vont s'associer ensemble pour véhiculer l'impureté qu'on a besoin d'avoir un kazaït entier. D'accord? Ça, c'est le Bartanora. Vous avez qu'à le lire, vous verrez que c'est écrit. Deuxième nouveau cas maintenant de la Mishnah, Kol ha-sharatzim mitzdarfim zeimze. Et là, ça devient encore plus délicat. Littéralement, tous les reptiles s'associent entre eux. Ça implique quoi précisément? C'est assez délicat. Je vous explique. Un reptile, ou un rampant plutôt, un chéret, c'est plus un rampant dans la Torah. Eh bien, il y a tout ce qui rampe est interdit par la Torah, d'accord? S'il ne rumine pas et s'il n'a pas les sabots vendus, c'est interdit à la consommation par la Torah. En plus de ça, il y a 8 Shratzim explicite dans la Torah. Il y a un perek entier dans le Shabbat qui s'appelle perek Shmoné Shratzim. Acholet ve Achbar ve Tinshamet ve, je sais pas, il y a toute une liste explicite dans la Torah qu'il y a 8 reptiles spécialement qui, à quoi Arvaleta aussi, 8 reptiles spécialement qui véhiculent une impureté lorsqu'ils meurent. C'est ce qu'on appelle les Shmoné Shratzim, les 8 reptiles. À part ça, et à part ça, toutes sortes de rampants qui sont aussi interdits à la consommation. Et alors là, on se retrouve avec deux mesures différentes pour transgresser l'interdit. Pour la plupart des rampants, on va prendre un cas simple de... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme rampant qui n'est pas une souris, surtout pas. On va prendre un autre rampant, je ne sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Pensez à ce que vous voulez. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de lézard. J'ai pas d'exemple en tête, j'ai pas... Bref, peu importe. On va prendre toutes sortes d'animaux qu'on peut avoir, et qui a un interdit de le consommer. Si on interdit à la consommation, il sera juste des kazaïtes. Si on mange un kazaït, un volume d'une olive. Par contre, les 8 rampants explicites dans la Torah qu'on a dit, Acholet ve'achbar ve'atin shamet ve'al-koach ve'al-ta'a, et j'en ai dit 5, il y en a encore 3 autres, eh bien... Il y a, pour cela, l'interdit à la consommation et l'interdit pour rendre impur, parce qu'il véhicule une impureté, ce sera Beka Adasha, avec une taille comme une lentille. Soit, donc on se retrouve en fait qu'on a deux groupes de rampants. Il y a les rampants qu'il faut, c'est bizarre que j'ai pas trouvé d'exemple, aller aux eaux, tout ce qui n'est pas les 8 interdits, ce sera les espaces interdits. Non, c'est juste que j'ai un doute, parce que le harbar, je crois que c'est spécialement que le rat et pas la souris, et l'autre, j'ai pas envie de m'engager en disant des erreurs en fait. Il y a je sais qu'il y a le tsav, et le tsav c'est pas la tortue, je crois que c'est la grenouille spécialement, je crois qu'il y a une petite contradiction, je sais plus exactement. J'ai pas envie de m'engager, je préfère pas dire d'erreur. En tout cas, chercher une espèce permise, elle, on transgresse l'interdit si on le consomme à un kazaït, ou bien il va véhiculer une impureté comme n'importe quel cadavre s'il est mort. Tandis que les 8 rampants, eux, ils véhiculent l'impureté avec une petite dose. Une petite taille d'une lentille,
Et aussi, ils sont interdits à la consommation avec une lentille. C'est-à-dire que si on va se manger un bout de... un scorpion. Un scorpion, c'est pas un, ça ne véhicule pas cette impureté. D'accord ? Donc, près d'un scorpion, il ne véhicule pas l'impureté. Si on va se mettre à manger du scorpion, eh bien, il faudra manger un kazaït pour penser que ça m'interdit. Et si je touche du scorpion, je ne vais pas devenir impur. Sauf si je pense, si le scorpion il devient un cadavre, là, logiquement, je suppose qu'il y aura un interdit qui va véhiculer une impureté, comme n'importe quel mammifère, mais j'ai quand même quelques petits doutes. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le... un scorpion. Tandis qu'on a, en face, il y a le nahash aussi. Non, le nahash, il véhicule une impureté, j'ai un doute. Je crois que le 4, le nahash, il n'est pas explicite du tout, et il ne véhicule pas d'impureté. Je m'étais trompé une fois. Bon, on va pas manger pour rien. Il y a, donc, prenez deux espèces. Donc, on a les deux groupes, deux familles de rampants. Il y a les 8 et les autres. D'accord ? Tous les autres ensemble s'associent, et tous les 8 ensemble s'associent. Par contre, on ne peut pas associer un avec l'autre, ça va être la suite de la Mishnah. Ok ? C'était clair ? La Mishnah continue en me disant maintenant. Damasheret ubsaro mitzafim. Le sang des 8, de la famille des 8, s'associe avec leur chair pour véhiculer l'impureté, même pour transgresser l'interdit. Mais que tant qu'ils sont. Juste pour véhiculer l'impureté. C'est le petit fratricelle qui précise. Pour véhiculer l'impureté. C'est-à-dire, je m'explique. On va prendre un lézard. Un lézard, c'est sûr, c'est un des Shmoneh Shratzim, par exemple. Le lézard, eh bien. Lui, si on va le couper un bout du lézard, un bout exact d'une mesure d'un zaït, d'une lentille, cassée au ras. Maintenant, si on presse le lézard, on va avoir une petite goutte de sang qui va sortir. Donc ça signifie que le volume du lézard en ce moment, il n'est pas à 100% avec la chair du lézard. C'est 90% de lézard et 10% de sang. Or, le sang, de manière générale, n'impurifie pas. Si on va prendre un cadavre d'animal qui véhicule une impureté, vous allez prendre du sang du cadavre, il ne véhicule pas d'impureté. Il n'y a que la chair qui véhicule l'impureté. Eh bien, spécialement pour les chatsim, la Torah, elle a inclus que même leur sang, tant qu'il est encore mélangé, il véhicule l'impureté. Mais attention, si Fratis Israël rapporte, il véhicule l'impureté, mais il ne va pas rendre passible, interdire à la consommation, comme si on avait mangé le kahadasha. D'accord ? Suite de la Mishnah maintenant. Klal Amar Rabbi Yehoshua. Telle est la règle que Rabbi Yehoshua nous a enseignée, à savoir quelles sont les espèces qui vont s'associer ensemble ou pas. Comme par exemple, on a pris un super cas là. On a pris le cas de la famille des 8 avec les autres rampants. On a dit qu'ils ne s'associent pas entre eux. Pourquoi ils ne s'associent pas? La Mishnah, maintenant Rabbi Yehoshua va me donner une règle et qu'on va ensuite continuer dans la prochaine Mishnah à montrer d'autres exemples de cette règle. Il me dit Rabbi Yehoshua comme ça. Kol Shetum Ato Veshiuro Shavin Mitzarfim Zeimze. Par rapport au ilchot de Touma Vetahara, loi de pureté et d'impureté, toute impureté qui est de même niveau et qui requiert la même quantité, eh bien, mitztarfim zeimze, elles vont s'associer entre elles. Tandis que Toum Ato, Velo Shiuro, s'ils sont de même niveau d'impureté, mais qui ne sont pas de même quantité, de même taille. Ou encore, Shiuro, Velo Tumato, ils requièrent la même quantité, mais ils n'ont pas le même niveau d'impureté. Ou encore, l'otum ato velo shiuro. Ni ils ont le même niveau d'impureté, ni ils requièrent la même quantité. Et bien dans ce cas-là, en mistarfim zeimze, ils ne pourront pas s'associer entre eux. Et j'explique. Cas simple. On a dit qu'il y a 8 exemples. Un lézard avec un rat. D'accord ? Un lézard et un rat. Les deux, la quantité requise pour rendre impur, c'est si... je vais avoir une quantité d'une lentille, cas d'achat. Ils vont tous les deux maintenant véhiculer une impureté si je le touche, je serai impur jusqu'au soir. Je devrais me tremper au mikveh, je devrais attendre le soir, et seulement après, je deviendrai entièrement pur. Donc ils ont une toumate à rêve. Eh bien, la Mishnah enseigne, regarde, ils ont le même niveau d'impureté, et en plus de ça, ils ont la même quantité requise, ils s'associent ensemble. Par contre, prends deux choses qui ont le même niveau d'impureté, tu vas être impur jusqu'au soir par exemple, mais ils ne requièrent pas la même quantité. Par exemple, un cadavre d'animal, et on t'a dit qu'il faut avoir un zaït, et si tu le touches, tu deviens impur. Et le lézard, il faut une quantité de une lentille, cassée au rat, d'accord ? Et kadasha comme une lentille. Donc, tu as besoin de... regarde, les deux, si tu les touches l'un ou l'autre, tu vas être impur.
Imaginez maintenant que tu vas te retrouver avec un zaït moins un demi, une demi-lentille. Tu prends une demi-lentille de lézard, tu les mets ensemble. Et tu touches le tout. Peut-être que tu vas devenir impur. La Mishnah Maaseh, non, ça ne s'associe pas. Étant donné qu'ils n'ont pas la même quantité requise pour pouvoir véhiculer leur impureté, ils ne peuvent pas s'associer. Ce sont deux espèces distinctes. Idem, donc ça c'était le cas de, par exemple, Tumato Velo Shiro. Il y a un beau Rebbe Kevegar, mais je ne vais pas alourdir le cours, même si c'est super intéressant ce qui se passe. Et il y a, à part ça, d'autres qui ont, par contre, le Shiro, Velo, Tumato. Ils ont la même quantité requise, mais ils ne véhiculent pas la même impureté. Un cas classique, un morceau de chair d'un cadavre humain, il véhicule l'impureté que s'il y a un zaït. Il y a plusieurs niveaux, selon si c'est des os, ou si c'est du sang, ou si c'est de la chair, ou si c'est même ce qu'on appelle le rekev. Il y a plusieurs, dans un cadavre humain, il y a plusieurs manières de rendre impur. Par rapport à la chair, il faut un kazaït. Ouais, c'est super, c'est la même quantité que le cadavre d'une vache qui est morte. Peut-être que dans ce cas-là, si j'ai un demi-zaït de l'un et un demi-zaït de l'autre, si je touche les deux ensemble, je deviens impur. La Mishnah me dit non, pas du tout. Le cadavre humain, lui, quand il véhicule l'impureté, il y va, tout va, c'est pour 7 jours qu'on en a. Le cadavre de la vache, et 7 jours, à part ça, même si c'est la purification pour le cadavre humain, on ne peut pas se purifier aujourd'hui, il nous faut nécessairement les cendres de la vache rousse. C'est tout un autre rituel. D'accord? C'est une impureté beaucoup plus forte. Tandis que le cadavre de l'animal, c'est pas compliqué, tu l'as touché, tu vas, tu te trempes au mikvé, et puis tu deviens déjà quasiment pur, il faut juste attendre la soirée pour être apte à rentrer au Beth Amikdash. Donc c'est une impureté qui a un niveau différent. Eh bien, sache qu'un demi-zaït de l'un, un demi-zaït ne vont pas s'associer, parce que même s'ils ont la même quantité requise, puisqu'ils n'ont pas le même niveau d'impureté, eh bien, ils ne vont pas s'associer. D'accord? C'est la règle de Rabbi Yehoshua, et on aura l'occasion encore de voir des exemples concrets dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sahara Koltou. C'est là.